Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce salon du général Dufour qui reprend possession de cette maison depuis qu'on était en voyage à la fois chez Madame de Staël au château de Coppet au mois d'avril, chez Voltaire dans sa maison des délices au mois de mai, sur la Neptune à défaut de Garden Party au mois de juillet là-bas, et puis au mois de juin on avait été encore à la Banque Fort de Dailly, dans la forteresse de Dailly, et nous voilà ici. Donc 4 mois d'absence, donc ça fait du bien d'être nouveau là au chaud, bien au chaud. Profitez de la chaleur, messieurs, dames. Justement, ce soir, il sera question de glacière. Alors, feu glaciaire pour celle dont il sera question ce soir avec Jean Seziano, et puis futur glaciaire, si on en juge par tous les clignotants orange, voire presque rouge, qui s'allument pour la rentrée d'hiver. Alors ce soir, il est question de la publication, il y a 200 ans exactement, par le, à l'époque, lieutenant-colonel Dufour, du génie de la Confédération helvétique, et qui avait publié une notice que vous voyez à l'écran sur cette caverne et glacière naturelle du Rotorn. Alors Jean-Pierre Barras, notre vice-président, nous clarifiera un petit peu de quel Rotorn il s'agit. Et puis qui s'appelle aussi Chafflor ou Trou des brebis. J'aurais pu vous amener sur place pour aller voir ce Chafflor, mais je trouvais que c'était quand même plus confortable de le voir depuis le salon, et je vous propose de quand même d'avoir quelques images. Ici, cette entrée d'une partie, c'était la partie de l'entrée du film, en fait. L'entrée, non, c'est l'entrée artificielle. Avec le tunnel. Et en 1884, il a été revisité par des ingénieurs bernois. Après, je ne sais pas ce qu'il est advenu et comment on a fait les travaux. Je ne sais pas si toi, tu as trouvé. On n'a pas trouvé, je crois que Jean non plus. Et puis je vous ai montré aussi comment était une glacière, juste parce que, évidemment, avec la rouille qu'on a, on ne voit pas comme c'était beau à l'époque de Dufour. Voilà ce qu'on avait à 86 mètres de l'entrée. Avec, on trouve ça aussi dans le dictionnaire géographique de la Suisse. Donc on a
c'est vraiment quelque chose de connu et qu'il fallait, à mon avis, sortir. Et on voit ici, de chaque côté... Ah, c'est plus chaud, c'est on a les deux côtés de la traversée complète de la montagne, avec la sortie que vous avez vue tout à l'heure. Et puis, pour connaître un peu la pensée de Dufour et de s'imprégner de comment il travaillait, et ben, je pense que de lire sa notice, qui n'est pas très longue, ça fait 5-6 pages, ça vous permettra de vous plonger un petit peu dans cette caverne. Voilà, puis je passe la parole à notre vice-président, là, Jean-Pierre Barras, qui vous lit cette notice. Voilà. Alors, bonsoir à toutes et tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Parfait, très bien. Alors, comme Marc vous l'a dit, il y a à peu près 200 ans, en automne 1822, la Bibliothèque britannique, qui est donc le périodique, qui s'appelait jusqu'en 1815 la Bibliothèque britannique, est devenue en 1816 la Bibliothèque universelle. Et puis c'est donc dans ce numéro de 1816 qu'on trouve la communication de Guillaume-Henri Dufour. Alors vous l'avez peut-être juste entreaperçu sur une carte, mais le Rotorn dont on va parler ce soir n'est pas le célébrissime Rotorn de Briens, c'est le beaucoup moins connu Rotorn de Sigrisville. Donc c'est une arête rocheuse qui s'étend perpendiculairement à la rive droite du lac de Thun, à la hauteur de la localité de Sigrisville, puis qui est située vis-à-vis du Nisan, cette fameuse montagne triangulaire qui, elle, est sur l'autre rive du lac de Thun. Donc voilà, cette précision géographique étant donnée, nous allons suivre Guillaume-Henri dans ses pérégrinations. J'avais appris, pendant mon séjour à Thun, qu'il existe à une certaine distance dans le flanc du Rotorn une caverne ou glacière naturelle, fort peu visitée même des gens du pays et par conséquent fort peu connue. On lui donne le nom de Schafloch ou trou des brebis, parce qu'elle offre un asile à ces animaux surpris par l'orage ou brûlés par un soleil trop ardent. Je suis allé la reconnaître, accompagné de plusieurs officiers, le jeudi 5 septembre 1822, par un temps magnifique et une température de 18 à 20 degrés réaumur. Ça fait 23-25 degrés, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux échelles. On va en bateau de Thun à Merligen en 1h30 et l'on prend ensuite un guide dans ce village pour porter les provisions de bouche qu'on ne peut pas se procurer plus haut. De là, jusqu'à un chalet très élevé, le dernier que l'on rencontre en montant le Rotorn par le Wüstental ou vallée déserte, on met 2 heures. Le chemin, taillé en plusieurs endroits sur la tranche presque verticale de couches argilo-calcaires, est rapide, mais cependant praticable. La direction de la vallée est du sud-ouest au nord-est. Alors je fais juste une petite pause toponymique à cet endroit, parce que si vous cherchez sur une carte topographique moderne le Wüstental, donc la vallée déserte, vous ne la trouverez pas, parce qu'elle est répertoriée sous son nom probablement plus ancien, peut-être même primitif, de Justistal. Alors ça n'a absolument rien à voir avec un ancien lieu de justice. Ce nom lui vient d'un dénommé Justus, qui dans la tradition catholique aurait été le compagnon de route et le disciple de Saint Béat. Béat lui-même était un moine évangéliseur du 1er siècle qui aurait passé les dernières années de sa vie en ermite dans une grotte d'une montagne qui forme en fait le flanc oriental du Justistal et qui s'appelle le Beatenberg, donc la montagne de Béat. Et donc à ce lieu, visiblement, les habitants ont donc consacré le nom de la montagne au saint et le nom de la vallée à son disciple. Donc si vous cherchez par où Guillaume-Henri est passé, il faudra suivre sur la carte le Justistal et pas le Wüstental.
Donc je reprends nos pérégrinations, plutôt celles de Guillaume Henry. On doit prendre plusieurs guides au chalet, ou au moins s'y pourvoir d'un assez grand nombre de flambeaux, si l'on veut pénétrer jusqu'au fond de la caverne. Au reste, ces montagnards, qui ne sont visités que par quelques chasseurs, se contentent d'une très modique rétribution, 4 ou 5 battes, ce sont pour eux un petit trésor. Du chalet à la caverne, on met 1 heure. Quoique en ligne directe le chemin paraisse assez court, la pente est très rapide, 30 à 35 degrés, et il faut s'aider des mains pour la gravir, surtout à un endroit où l'on passe sur la crête d'un rocher qui laisse le précipice à la droite et à la gauche du voyageur. Ce mauvais pas, que quelques personnes n'osent franchir, n'offre cependant point de danger réel quand on conserve du sang-froid et qu'on est accompagné d'un guide. Il est court et quand on l'a passé, on se trouve au-dessus des sapins et au pied de rochers à pic dont on côtoie le flanc pendant 1 quart d'heure en marchant sur les gradins que forment leur couche. Ces rochers sont d'un calcaire gris foncé mêlé d'argile, en couche de 8 à 12 pouces de puissance dans la direction de la vallée et plongeant de 15 à 20 degrés vers l'ouest. Les couches sont coupées de fissures perpendiculaires entre elles et au plan général de la pente, en sorte qu'elles se présentent à l'extérieur comme une maçonnerie de moellons assez régulière. Les crêtes de la montagne sont couronnées d'un grès très quartzeux à grains fins, qui est là comme le témoin de l'ancien ordre des choses. On trouve sur les pentes de nombreux débris de cette roche. Je n'avais pas pu me pourvoir d'un baromètre facilement transportable. En conséquence, je n'ai pas la hauteur exacte de la grotte au-dessus du lac de Thun. Mais en comparant le Rothorn aux montagnes environnantes, j'ai fixé approximativement sa hauteur aux 2/3 de celle du Niesen, c'est-à-dire à 3700 pieds environ ou 5480 pieds au-dessus du niveau de la mer. 5480 pieds, ça fait 1644 mètres. L'altitude réelle du Schaffloch n'est pas très éloignée, elle est de 1790 mètres. La grotte est recouverte d'une masse rocheuse de 150 à 200 pieds, donc environ 50 mètres, dont les nombreuses fissures laissent passer l'eau qui tombe goutte à goutte dans tout l'intérieur de la caverne. Cette eau, refroidie en traversant les couches d'air qui remplissent les fissures et servant elle-même par son évaporation à maintenir une température très basse, arrive dans la caverne, tombe sur des noyaux déjà congelés et les couvre de nouvelles couches. Il se forme ainsi des masses considérables de glace qui ne se fondent qu'en partie quand un air plus chaud peut pénétrer jusque dans le fond de la caverne, ce qui doit être fort rare à en juger par ce que nous avons éprouvé nous-mêmes. En effet, malgré la forte chaleur qu'on éprouvait au dehors, le thermomètre suspendu à 1 pied du sol en divers endroits de la grotte s'est soutenu à 2 degrés 3 quarts au-dessus de zéro. Passons à la description du Schaffloch, dont les anciens eussent indubitablement fait une des portes principales du Tartare s'ils l'eussent connu. L'ouverture est tournée à l'est, en regard des magnifiques cimes de la Jungfrau, des Eiger et autres monts dominateurs de nos Alpes. Elle est régulière et de forme demi-elliptique, le sol représentant le grand diamètre dont la longueur est de 50 pieds. La hauteur de la voûte à l'entrée n'est que de 25 pieds seulement, mais elle ne tarde pas à s'augmenter jusqu'à 40 ou 50. On fait d'abord une 50aine de pas dans la direction primitive de l'est à l'ouest, puis on tourne au sud en descendant toujours au milieu d'innombrables débris qui se sont détachés de la voûte et qui rendraient le chemin très dangereux si l'on n'avait pas soin de s'éclairer de plusieurs flambeaux. Il ne paraît pas que ces blocs se détachent journellement de la voûte. Je crois plutôt que ces débris proviennent d'une couche qui de longue date s'est précipitée en masse.
La prudence exige cependant qu'avant de s'avancer, on vérifie autant que possible la clarté des feux, l'état de la voûte de la caverne, afin de ne pas se hasarder sous un rocher trop menaçant. On rencontre les premiers amas de glace à l'endroit où la lumière extérieure n'arrive plus qu'en quantité insensible et où par conséquent il est impossible de les attribuer à la neige qui serait entrée par l'ouverture lorsqu'un vent d'hiver l'y aurait poussé. En allant plus loin, on a la glace sous ses pieds, extrêmement transparente et laissant apercevoir les rochers qu'elle recouvre. On s'avance ainsi pendant 8 ou 10 minutes, toujours au sud, jusqu'à un plan incliné de glace qui, jusqu'à présent, au dire de nos conducteurs, a arrêté les curieux. Il faut en effet une assez forte dose de courage pour se laisser glisser sur cette surface polie, bien que l'on voit très distinctement le rocher qui doit servir de point d'arrêt et que le saut ne soit réellement pas bien considérable. Mais au-delà, la caverne, tournant à droite et se précipitant en dessous de son premier niveau, ne montre qu'une nuit affreuse au regard qui cherche à pénétrer dans ses profondeurs. Des militaires ne pouvaient s'en tenir là. En conséquence, après avoir, sur la foi de nos guides, franchi le saut d'aussi bonne grâce qu'il nous fut possible, nous descendîmes de rocher en rocher jusqu'à une belle esplanade, couverte d'une nappe de la glace la plus pure et tapissée à droite et à gauche d'assez grandes masses ou stalagmites d'eau congelée dont la surface paraissait souffrir une légère fusion, l'eau tombant de la voûte faisant entendre par intervalles réglés le bruit de ses gouttes dans les petits réservoirs qu'elle s'était creusés sur la glace. Cette salle, vaste, horrible et pourtant magnifique, termine la glacière naturelle, bien plus remarquable par l'horreur du séjour et la grandeur des demeures souterraines que par la quantité de glace qu'elle renferme. On met une demi-heure pour aller jusqu'au fond de la caverne parce qu'on est arrêté à chaque pas, soit par la difficulté du terrain, soit par la singularité du spectacle, mais sa profondeur réelle n'est guère que de 10 minutes. Ses dimensions sont partout de 100 pieds environ de largeur pour 40 de hauteur, excepté à l'ouverture extérieure où il y a rétrécissement. La pente depuis l'entrée jusqu'au fond est assez considérable, mais c'est surtout au second coude qu'elle est très prononcée, à l'endroit où se trouve le plan incliné de glace dont j'ai parlé. En sortant des profondes ténèbres pendant lesquelles on a été plongé pendant près d'une heure, on a de la peine à supporter la lumière du soleil. Mais peu à peu, l'œil s'accoutume à son éclat, et le tableau que présente une riante verdure, les eaux limpides d'un beau lac, et un ciel serein découpé à l'horizon par les cimes resplendissantes des Alpes, n'en est que plus enchanteur. Il vaut mieux revenir par le même chemin que de se hasarder à suivre l'espèce de sentier en corniche qu'on trouve à droite en sortant de la caverne. Ce sentier finit bientôt et l'on se trouve au milieu des bois et des rochers. Et on n'en sort pas sans peine, je dirais même qu'il y a quelques dangers. Mal nous en a pris de nous laisser tenter par un chemin nouveau. Ce n'est qu'après maintes et maintes glissades et plus d'une chute que nous avons pu, au bout de 4 à 5 heures de fatigue, parvenir à franchir les rochers pour descendre au village de Sigrisville de l'autre côté de la montagne. De là, au petit village de Gunten, où le bateau nous attendait, il n'y a qu'une promenade. Nous sommes rentrés harassés de fatigue, nos habits déchirés en plus d'un endroit, mais nous applaudissant d'avoir vaincu toutes les difficultés de ce petit voyage. Donc, merci pour votre attention. Cette communication est suivie d'une autre dont je vous épargnerai la lecture, qui a été rédigée par le docteur Mattet et dont le titre est « Sur l'usage et l'abus des purgatifs ». Thank you.
Das hört ein bisschen bitter. Sicher, ja. Ja. So, dann Gletscherfelsen sind einfach da. Das ist wie die Schrattenflur. Die kennen es nicht, die sagen dem Gletscherfelsen. Ja. Ich habe schon gefragt, es hat den Gletscher gemacht. Wie erklärt er nicht die runden Formen? Du bist ja Millionen von Jahren immer zurück, Ja. Dann hat es diese Formen gegeben und am Schluss. Und bevor er zurück ist, war er oben und da ist immer im Frühling das Wasser oben gekommen. Und wenn es eine Million Frühling runterkommt... Der hat letztlich bei der Million Frühling hat die das... Hat hier die Wasser gegeben. Stein ist nicht überall gleich. Ja, genau, ausgewaschen. Ja. Je vais juste rajouter quelque chose suite à ce qu'on vient de voir. Les galeries que vous avez vues pendant la lecture sont les galeries artificielles qui ont été creusées, on n'a pas pu savoir exactement à quelle époque, de part et d'autre de cette fameuse crête du Sigriðsfjallhorn. Donc, l'armée, ou les fortifications, ont foré une galerie qui part juste à côté du Schaffloch et qui traverse de part en part la montagne. Évidemment, c'est bétonné, ce que vous avez vu. Au point de vue des accès, donc Justisthal, c'est ce que Dufour a décrit. Actuellement, on peut monter en véhicule jusqu'à peu près à
1400 mètres dans le Goustital, et ensuite c'est le sentier jusqu'à la crête. Mais vous pouvez aller de l'autre côté de la crête, c'est chez Flou, au mois de juin, en partant de Schwanden. Vous prenez des routes forestières qui vous amènent jusqu'à un chalet, j'ai oublié son nom, un nom suisse-allemand assez compliqué. Et à partir de là, vous pouvez aussi monter sur les pentes qui sont raides, qui la disent juste 30-35 degrés, c'est correct, par un sentier en zigzag jusqu'à l'entrée du tunnel artificiel. Et là, vous êtes du côté ouest. Et la dénivellation est un peu plus faible de ce côté-là. Vous avez environ 300 mètres de montée, tandis que depuis Justital, vous avez 350. Donc, une petite différence. Et une fois que vous êtes arrivé donc, au pied de la falaise sommitale, eh bien, vous devez traverser le tunnel, qui fait à peu près 800 mètres, et vous arrivez de l'autre côté, c'est le versant, par où, du fond, à accéder à la glacière. Et là, en sortant, vous allez à gauche, vous faites 20 mètres, 30 mètres, et vous trouvez la glacière dont on a eu la description tout à l'heure. Donc là, c'est juste un aspect pratique que je vous donne. Maintenant, concernant la glacière elle-même, on va dire que nous allons voir, en somme, peut-être le pourquoi de son origine et le pourquoi de la situation en haut de cette crête.